Jardin. Encore une fois, bonsoir. Je voulais vraiment vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir sur TF1 en direct et sur l'Olympia. Et à l'Olympia, et vous voyez, comme c'est la première fois que j'anime une émission, j'ai pas tellement l'habitude, donc j'ai demandé à un ami de venir me donner des conseils. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Arthur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci. Bonsoir Anne. Bonsoir Arthur. Merci, Arthur, merci. Arthur m'a donné des conseils pour animer cette émission. Est-ce que ça va, t'as regardé le début, ça ah, va? Ah super, je suis dans ma loge, je trouve que tu es formidable. Vous ne les trouvez pas super, Anne, ce soir? C'est mignon de te voir animer une émission de télé, je te jure, on dirait Flavie Flamand. Ah bon? Mais pas pareil. Ah, tu permets que je reprenne? Oui, je t'en prie, vas-y. Hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis. Hein. Je suis là pour ça. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous en direct sur TF1 et de l'Olympia. C'est formidable. Ce soir, il va y avoir des sketchs formidables, des chansons, des invités ouais, surprises. C'est formidable, ça va être Anne, formidable. Mais tu peux pas t'étaler comme ça. On est en direct, là. On est à la télévision. Je suis très heureuse d'être en direct avec vous de l'Olympia. C'est pas le tiercé non plus, hein. C'est pas le tiercé non plus. Non, mais parce que je veux expliquer aux gens comment va se passer la soirée. Ah bah c'est sûr que tu leur t'as tout bien expliqué ce soir. Je pense qu'à ce rythme-là, tu veux leur apprendre à changer les piles de la télécommande. C'est un métier, hein. On ne devient pas animatrice télé comme ça. Mais Arthur, je suis pas animatrice télé, moi je suis amatrice de télé nuance. Bah c'est vrai qu'on le sent bien le côté amateur. Pardon? Non mais, non mais attendez. Moi, je suis venu à la vie, hein. Bah oui. C'est mon métier, donc si tu veux, je peux te donner des petits trucs, oui, tu vois, des petits conseils. Dis-moi. Par exemple, quoi qu'il arrive ce soir, s'il y a un problème technique ou quoi que ce soit, tu restes souriante. Comme ça? Ouais, tout à fait. Là, tu vois, là, c'est très TF1, là. En fait, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que tu fais de la pub à ton dentiste. Non, Arthur, je t'aime beaucoup. En plus, je ne l'ai jamais dit, mais j'adore regarder tes émissions. Parce que quand je regarde tes émissions, j'ai l'impression d'apprendre des trucs, j'ai l'impression de me cultiver. Ah, c'est cool, merci. Merci beaucoup. Ouais, parce que chaque fois qu'il y a une de tes émissions qui passe, j'éteins la télé et je lis des livres. Ah, d'accord. Alors c'est ça l'amitié, on fait des vannes devant son public, merci. Non mais Arthur, excuse-moi, il faut quand même reconnaître que ton émission, Les Enfants de la télé, c'est la même émission depuis 20 ans, avec quand même les mêmes invités depuis 20 ans. Eh ben non, Élise et Moon n'étaient pas là le mois dernier. Non mais tu sais Arthur, je t'ai bien observé, en fait j'ai compris, pour être animateur télé, en fait c'est facile, il suffit d'avoir un prénom. Et puis, ah oui, faut aussi ouvrir des boîtes du Poitou-Charentes des fois qu'on n'ait pas oublié 1 milliard d'euros à l'intérieur. Ouh, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce que j'ai? Ouh, la boîte! Ouh, bah si j'avais su, j'aurais pris l'autre boîte! Hey, en tout cas, tu te moques? Mais ça prouve que tu regardes mes émissions. C'est vrai. Et puis, alors, il y a un truc qui me fait de la peine, faut que je te dise, c'est quand je te vois chaque année passer tes réveillons à la télé, je me dis, mais le pauvre, il a pas d'amis, quoi. Et moi, tu crois que ça me fait pas de la peine de devoir picoler tous les dimanches chez Drucker? Non, mais... Parce que vous ne le savez peut-être pas, vous ne l'avez pas dit, vous qui êtes son public, c'est du vrai vin qu'il y a dans le verre. Ah, elle ne nous dit pas tout. Mais bon, je vais te dire un truc, je t'admire. C'est vrai? Moi, je fais de la scène depuis 5 ans et je rêverais un jour d'avoir une belle carrière comme toi sur scène. Merci, c'est gentil. C'est vrai, 50 ans de carrière quand même, c'est pas mal. Enfin, pas 50 ans quand même. Enfin, non, mais à ce propos, dis-moi, ils étaient comment les compagnons de la chanson? C'est une rumeur ou c'est vrai que tu t'es tapé le moustachu? Arthur, je te rappelle qu'à tes débuts, les verres de tes lunettes étaient tellement épais, on aurait dit des loupes. On aurait pu allumer un feu avec à Koh-Lanta. Ah, ça y est, voilà. Ça y est, on attaque le physique maintenant. Dis donc, c'est bien ta nouvelle coupe de cheveux. Tu sais qu'on est à l'Olympia, on est pour pas aller à la découverte. Je sais bien que je suis pas ton genre de femme, parce que Arthur, je sais pas si vous savez, il aime les femmes grandes, belles, minces, blondes, sexy. Oh, je sors avec Arthur. Oh,
Arrête, arrête. Franchement, arrête, hein, même si t'as raison. Je suis venu en ami, parce qu'on est un peu ici, chez moi, sur TF1. Ouais, puis on est aussi un peu ici, chez moi, à l'Olympia. À l'Olympia, mais sur TF1. Arthur, enfin, tu crois quand même pas qu'on va passer au zapping juste parce qu'on se dit des vacheries, quoi, c'est... Non, s'il y a une image qui doit passer au zapping, c'est toi hier soir après le cocktail. Quoi? Tu sais, quand tu t'es mise à danser ivre morte sur les lacs du Connemara. Non, c'est pas vrai du tout. Ah, ça, on devrait leur montrer les images. Elle était là avec le truc sur la tête. Non, non, c'est pas vrai. Je sais pas de quoi il parle. C'est pas vrai. Connemara. Non, j'ai jamais fait ça. Vous voulez voir les images? Non, vous ne voulez pas voir les images. Si, vous voulez voir les images. Est-ce que vous voulez voir les images? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Arthur de ne pas montrer les images. D'accord. Non, et puis je voulais dire, Arthur, je suis vraiment contente que tu sois venu parce que c'est vrai, t'es quelqu'un de formidable. T'as plein d'humilité, de générosité, de simplicité. Arrête, n'en fais pas trop non plus. Pourquoi? Arrête de me faire des compliments. Pourquoi tu veux enfin, que je Parce fasse... que si tu continues à me faire des compliments, tu vas finir par ressembler à une vraie animatrice de TF1. Arthur!